Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie d'Outre-mer, Mesdames et Messieurs les académiciens, Monsieur le doyen des inspecteurs, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs, et bien entendu, chers élèves, je suis très heureux d'ouvrir au nom de Christophe Guerrero, recteur de la région académique de Paris qui nous rejoindra pour la conclusion, cette nouvelle conférence du cycle des académiciens en Sorbonne. Aujourd'hui, après Jean-Robert Pitt, mon ami, Marianne Bastide-Bruguière et Alain Duhamel, nous avons l'honneur de recevoir M. Thierry de Montbrial, qui va nous présenter les enjeux de la guerre d'Ukraine. Il y a 11 mois, jour pour jour, la Russie a déclenché une offensive militaire massive contre l'Ukraine. Le 24 février 2022, les Ukrainiens ont été réveillés à l'aube par le bruit des sirènes et les premiers bombardements. Les Européens ont regardé, sidérés, des images qui semblaient venir d'un autre temps. Le déploiement des chars, les frappes aériennes, la mobilisation générale et les cortèges de réfugiés fuyant les combats par centaines de milliers. Le monde occidental, l'Europe, la démocratie sont des notions qui façonnent notre identité et notre histoire. Elles nous paraissaient inébranlables. Et voilà qu'elles sont attaquées avec une violence chaque jour plus désespérante. Cette guerre nous touche et nous concerne en tant qu'êtres humains, mais aussi en tant qu'Européens. Elle a lieu sur notre continent, à moins de 2000 km de Paris. Et l'Ukraine est désormais reconnue comme candidate à l'intégration dans l'Union européenne. Aux côtés du drapeau ukrainien, c'est le drapeau bleu et étoilé qui a été rehissé à Kherson après la reprise par l'armée ukrainienne de la plus grande ville occupée par les forces russes. Comme l'ont montré les accords franco-allemands de ce week-end pour le 60e anniversaire du traité de l'Élysée, dont, comme vous le savez, les célébrations dimanche ont commencé dans ce grand amphithéâtre, les États européens et en particulier les États membres de l'Union européenne, sont pleinement engagés dans la guerre. L'élan de solidarité qui a traversé l'Europe a aussi permis l'accueil de millions de réfugiés ukrainiens. Mais nous sommes aussi engagés dans une guerre économique et médiatique qui nous pousse notamment à interroger notre dépendance énergétique à la Russie et à repenser nos lois sur la liberté de la presse. Mais je ne vous apprends rien, car ces informations sont omniprésentes. À la une de tous les médias, le conflit fait désormais partie de notre quotidien. C'est pour cela qu'il est nécessaire aujourd'hui de pouvoir prendre de la hauteur et de repenser ce conflit à la fois si traditionnel et si novateur. Il faut pouvoir prendre en compte un contexte large qui englobe les conséquences de la guerre froide, les dynamiques et les ambitions territoriales russes et l'évolution des relations des grandes puissances dans un monde multipolaire. C'est le prolongement, chers élèves, de vos cours d'histoire, de géographie, de géopolitique, d'enseignement moral et civique. Ces disciplines sont autant de clés de lecture du monde. Elles nous permettent de mieux comprendre les événements contemporains tout en rappelant l'absolue nécessité de savoir se situer dans l'espace et le temps. Pour pouvoir saisir les mille et un aspects de cette guerre aux conséquences multiples, nous avons la chance cet après-midi de pouvoir accueillir et écouter M. Thierry de Montbrial. Thierry de Montbrial, vous êtes d'abord un économiste. Or, l'économie est une discipline à la croisée des sciences dites exactes et des sciences dites sociales. Vous aimez à ajouter que c'est la reine des sciences de l'action. Cette triple composante, sciences exactes, sciences humaines et sciences de l'action, éclaire votre vie et votre parcours.
Vous avez été étudiant dans les établissements les plus prestigieux de France et du monde, l'école polytechnique, l'école des mines, l'université de Berkeley en Californie, où vous avez fait votre thèse consacrée au traitement du temps dans la théorie de l'équilibre économique. Et ce sujet vous a amené à devoir aussi prendre en compte l'histoire, l'incertitude et l'information imparfaite. Autant de questions qui traversent aujourd'hui toute la géopolitique. Après votre thèse, vous avez enseigné à l'école polytechnique, y transformant profondément les formations en économie. Puis vous avez commencé une autre carrière, parallèle, tout aussi aboutie, d'abord au commissariat du Plan, où vous avez travaillé notamment sur la monnaie et les notions de prévision et d'erreur de prévision, mais surtout, à partir de 1973, au ministère des Affaires étrangères, où vous avez créé, puis dirigé pendant de plusieurs années, le Centre d'analyse et de prévision. La mission principale de cet outil très original est d'analyser l'environnement international afin de faire des recommandations stratégiques. Vous avez ainsi contribué à créer une diplomatie intellectuelle que bien des pays nous envient. Vous avez créé ensuite, en 1979, une année décidément essentielle dans l'histoire du XXe siècle, un think tank français spécialisé dans les questions géopolitiques, l'Institut français des relations internationales, le fameux IFRI, devenu en quelques années une référence mondiale. Vous le décrivez comme un laboratoire d'idées construit autour d'un socle permanent de chercheurs, dont plusieurs, et nous nous en félicitons aujourd'hui, visant à élaborer sur des bases objectives des idées relatives à la conduite de politique et de stratégie au service de l'intérêt général. Fort de cette réussite, vous avez créé en 2008 le World Policy Conference. Vous y avez associé des hommes politiques, des chefs d'entreprise, des chercheurs et des journalistes venus du monde entier pour produire une réflexion originale à la recherche du bien commun. En 14 ans, la manifestation s'est imposée à travers la planète comme un club majeur d'experts des questions internationales. Sa dernière édition a eu lieu en décembre dernier à Abu Dhabi. En parallèle de ces activités, vous avez toujours continué à enseigner à Polytechnique, à Sciences Po, au CNAM et dans de nombreuses universités étrangères. Vous avez continué à écrire aussi. Vous êtes l'auteur d'innombrables ouvrages, essais, articles, et vous avez reçu en 2003 le Grand Prix de la Société de Géographie, cher Jean-Robert Pitt, pour l'ensemble de votre œuvre. En 1992, enfin, vous avez été élu à l'Académie des sciences morales et politiques, mais vous êtes également membre fondateur de l'Académie des technologies, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer et membre de nombreuses académies étrangères, l'Académie Europea, l'Académie royale de Belgique, l'Académie roumaine, l'Académie des sciences de Russie, l'Académie des sciences de Moldavie, et j'en ai sûrement oublié, pardonnez-moi. Chers élèves, chers professeurs, vous l'aurez compris, l'homme que vous avez devant vous est un grand savant, un homme de terrain et un humaniste convaincu. Les quelques mots que j'ai prononcés sont loin de suffire à résumer la vie de Thierry de Montbrial. Et surtout, ils ne rendent pas justice aux nombreuses innovations qu'il a su impulser dans le domaine de la pensée comme dans celui des relations internationales. Mais je ne doute pas qu'au cours de son propos, vous saurez en retrouver de nombreuses. C'est donc avec beaucoup de respect et beaucoup de plaisir que je vous souhaite maintenant une excellente conférence et je transmets la parole à M. Stirn. Merci beaucoup, monsieur le directeur, de ces mots d'accueil. Je vais être
Très bref, mes chers confrères, mesdames et messieurs les ambassadeurs, en général, mesdames et messieurs, et vous tous, chères lycéennes et chers lycéens qui sont présents aujourd'hui, parce que nous attendons tous les propos de mon confrère Thierry de Montbrial. Mais je voudrais juste, au nom de l'Académie des sciences morales et politiques, vous dire quelques mots de bienvenue et quelques mots d'explication du programme Les Académiciens en Sorbonne qui nous réunit aujourd'hui. Ce programme doit tout à mon prédécesseur Jean-Robert Pitt, qui est en face de moi, qui en a eu la conception, qui l'a animé avec monsieur le recteur Guerrero, qui nous rejoindra tout à l'heure. Et c'est un projet qui réunit, comme nous le faisons cet après-midi, les jeunes des classes de première et de terminale, avec les académiciens, puisque chaque conférence est animée par un membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Et je pense que pour notre Académie, c'est particulièrement important, particulièrement stimulant d'avoir cette occasion d'échange avec vous sur les thèmes propres à chacune des séances et également pour vous dire un mot de manière plus générale de ce qu'est notre Académie et de ce que sont les académies qui, avec l'Académie des sciences morales et politiques, composent l'Institut de France. Sans doute êtes-vous déjà passé sur les bords de la Seine, devant la coupole dorée qui est sur le dôme de l'Institut, mais sans doute également, comme beaucoup de gens, comme même la plupart des gens, ne savez-vous pas exactement ce que sont les académies regroupées au sein de l'Institut de France. Alors, quelques mots juste pour les situer, pour nous situer, et pour mieux situer les échanges que nous avons cet après-midi. La création des académies remonte au XVIIe siècle, la création par sous l'impulsion du cardinal de Richelieu de l'Académie française en 1634. D'autres académies ont vu le jour avec des configurations voisines de celles que nous connaissons aujourd'hui. Ces académies ont été mises en sommeil pendant la période des troubles révolutionnaires, mais tout à fait réactivées à l'issue de la Révolution, puisque c'est la Convention qui, dans une de ses dernières séances, a décidé de créer l'Institut de France pour regrouper et, j'allais dire, ranimer les anciennes académies. Et l'Institut de France d'aujourd'hui est le fruit de ce décret de la Convention. Les académies qui forment l'Institut sont cinq: l'Académie française, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, un nom un petit peu mystérieux, mais qui recouvre l'histoire ancienne, et notre Académie, l'Académie des sciences morales et politiques. Par certains côtés, c'est sans doute la plus proche de vous, car l'Académie des sciences morales et politiques, elle s'occupe des disciplines qui sont celles que vous étudiez, la philosophie, la sociologie, l'histoire et la géographie, le droit public et les institutions publiques, l'économie et les finances. Elle groupe donc des compétences très variées dans cet ensemble des sciences humaines. Et cet après-midi, vous allez avoir une illustration au travers des propos que va tenir Thierry de Montbrial, qui vous a été très parfaitement est complètement présenté, mais qui réunit plusieurs des compétences de notre académie, des compétences d'économie, des compétences d'histoire, des compétences de diplomatie et des compétences de sciences politiques. J'ajouterai juste, si vous me permettez, cher Thierry, à ce qui a déjà été très bien dit pour vous présenter, que votre parcours, votre travail, qui éclaire très régulièrement chacune de nos séances de l'Académie, repose sur un alliage assez exceptionnel d'un très important réseau au travers le monde que vous avez constitué au fil des années,
d'une connaissance très précise des réalités que vient peut-être de votre formation scientifique initiale et d'un très grand attachement à des valeurs humanistes, cela a déjà été dit, qui vous caractérisent. C'est pourquoi je suis très impatient, comme je pense tous les auditeurs, de vous écouter cet après-midi. Monsieur le délégué régional, Monsieur Goldberg, Monsieur le secrétaire perpétuel, cher Bernard Stirn, et je dirais à vous tous, chers élèves, je dis à vous tous, y compris les ambassadeurs, y compris les généraux, y compris moi. Nous sommes et nous avons vocation à rester élèves toute notre vie. Et d'ailleurs, ce que je vais vous dire dans les 45 minutes qui viennent ne seront d'aucune manière des vérités. J'essaierai de vous parler de ce sujet sous la forme de questions, de méthodes, pour aborder un aspect tragique de notre histoire contemporaine. Et sans être grandiloquent, je vous rappellerai, chers élèves, vous êtes jeunes, très jeunes, et comme on dit, l'avenir est devant vous, le vôtre, le nôtre, mais rappelez-vous que l'histoire est tragique. L'histoire est tragique. Elle l'a toujours été et elle le restera toujours. Alors, avant d'aborder le sujet de l'Ukraine, personnellement, je parle non pas de la guerre en Ukraine, je parle de la guerre d'Ukraine. Vous ne dites pas la guerre en Corée, début des années 1950, vous dites la guerre de Corée. La guerre de Corée a été, d'une certaine manière, une guerre mondiale. La guerre d'Ukraine est déjà une guerre mondiale et pourrait le devenir encore plus. Donc, avant d'aborder ce sujet, je ferai, si vous le permettez, trois remarques préliminaires. La première, c'est que dans les tragédies de l'histoire, les tragédies commencent toujours par des passions, des affrontements passionnels. Nous sommes en réalité au début de cette guerre. Et les passions se déchaînent. Vous observerez qu'il est extraordinairement difficile, en France, mais pas seulement en France, en Europe en tout cas, moins aux États-Unis, il est extrêmement difficile d'en parler sereinement parce que immédiatement, les gens, et c'est normal, on le comprend, ils vont de leur point de vue, de leurs connaissances forcément limitées, même les spécialistes n'ont des connaissances limitées sur le sujet, on prend parti, etc., et on en vient très rapidement à l'affrontement. Alors ma première remarque, c'est vous devez, et nous devons tous, apprendre à raisonner sereinement autant qu'il est possible, et en tout cas en laissant la raison dominer, y compris face aux circonstances les plus tragiques de l'histoire. D'ailleurs, si les décideurs ne le faisaient pas, nous serions rapidement dans un pétrin encore bien pire que celui où l'on est. Donc, s'il vous plaît, retenez la raison, en tout cas pour nous, dans une place comme celle-ci, doit l'emporter, doit prévaloir sur la passion. Première remarque. La deuxième, qui sera peut-être un peu plus proche de vos enseignements, c'est que personnellement, j'utilise le mot géopolitique avec des pincettes. Je vous rappelle, vous ne savez peut-être pas, mais à l'époque de la création, par exemple, du Centre d'analyse et de prévision, et je suis heureux d'avoir au premier rang, face à moi, mon complice de l'époque, Jean-Louis Gergorin, on ne parlait pas de géopolitique. Le mot géopolitique était banni. Il était banni parce qu'il évoquait la géopolitique nazie, la géopolitique allemande d'avant-guerre.
En réalité, le terme géopolitique a commencé à réapparaître dans les années 1980, de sorte qu'aujourd'hui, il a tellement pris racine qu'aujourd'hui, tout est géopolitique. C'est-à-dire qu'on confond, et c'est le point que je veux souligner, géopolitique et relations internationales. Et c'est cette confusion-là sur laquelle je voudrais attirer votre attention. Parce que la géopolitique, pour faire simple, c'est l'intersection de l'histoire et de la géographie. Bon, si on veut faire un tout petit peu plus compliqué, on dira c'est l'idéologie relative au territoire. Lacoste disait la représentation relative au territoire, mais cette représentation, c'est celle qu'on a dans nos têtes. La plupart d'entre nous ici voyons la Russie, les États-Unis ou l'Australie d'une certaine manière qui est façonnée par l'endroit où nous sommes, notre culture, etc., etc. Et on peut jouer avec ça dans tous les sens. Mais les relations internationales, ce sont les relations essentiellement entre les États, les relations interétatiques, principalement. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Le point qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une situation géopolitique particulière, comme l'Ukraine aujourd'hui, ne détermine pas les relations internationales. Ce sur quoi je mets l'accent, c'est le déterminisme. Une situation géopolitique donnée ne détermine pas les conséquences qui vont en résulter sur le plan des relations internationales. Pour dire les choses autrement, il y a toujours une part dans la liberté humaine qui s'exprime de diverses manières et à travers le jeu des États, pour le meilleur ou pour le pire d'ailleurs, mais la situation géopolitique ne détermine pas les conséquences qui lui sont associées. Et d'ailleurs, personne, j'en parlerai un peu plus en détail, ne peut vous dire aujourd'hui comment cette guerre d'Ukraine va se terminer. Retenez ce point-là. Ma troisième remarque est aussi d'ordre méthodologique, c'est la complexité. Qu'est-ce que c'est que la complexité ? Complexité n'est pas difficulté. Un problème de mathématiques peut être extrêmement difficile sans être complexe. Et un problème peut avoir une apparence simple et être extrêmement complexe. La complexité, selon ma définition tout au moins, c'est l'impossibilité de représenter avec un degré d'approximation suffisant un problème sous la forme d'un système. Alors, ne me forcez pas à définir un système, etc., parce que si je continue comme ça, je n'aurai pas commencé quand mes 45 minutes seront épuisées. Donc, j'admets que vous avez l'idée, au moins générale, de la notion de système. En pratique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand un problème est complexe, vous avez un nombre indéfini de façons de l'aborder, et ça comporte autant de vérités, aucune ne s'imposant aux autres, et la sagesse consiste à tenter d'en faire la meilleure synthèse possible, mais cette synthèse ne sera jamais sous la forme d'un système, et donc d'une doctrine totalement close. Alors, nous avons cette guerre d'Ukraine. Vous avez eu des cours d'histoire, de géographie, mais dans les professeurs d'histoire, quand ils abordent une guerre, ils commencent par se poser la question de ses causes. Et quand on parle des causes, ça au moins depuis Thucydide, la guerre du Péloponnèse, on distingue les causes fondamentales. Thucydide parlait des causes les plus vraies, c'était son expression, et les causes immédiates. Alors, si vous vous rappelez ce que je viens de dire sur la complexité, vous comprendrez que l'on discute encore aujourd'hui des causes de la Première Guerre mondiale. On discute encore aujourd'hui des causes de la guerre franco-prussienne de 1870, sans parler des guerres de Napoléon, et vous pouvez remonter comme ça indéfiniment dans l'histoire. Alors, le premier livre du général de Gaulle, qui n'était pas général, il était capitaine, il est sorti de prison début décembre 2018, le malheureux, il avait passé une bonne partie de la Première Guerre mondiale en prison, prisonnier des Allemands, s'appelle la discorde chez l'ennemi. Pourquoi la discorde chez l'ennemi ? Parce qu'il avait 34 ans, le général, et il cherchait à comprendre pourquoi les Allemands avaient perdu la guerre 1918,
alors qu'ils avaient tout, que logiquement, ils devaient la gagner. Et ce livre, qui d'ailleurs, il se trouve que j'ai été amené à le relire récemment, est assez remarquable parce qu'il entre, il donne un certain nombre d'explications, mais je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais qui ne sont que des explications partielles. Alors aujourd'hui, vous pensez bien que de parler des causes de la guerre d'Ukraine, c'est un sujet déjà passionnel, rappelez-vous ma toute première remarque, mais dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, les historiens en parleront encore. Alors, aujourd'hui, sur ces causes fondamentales, vous avez deux écoles. Je dirais l'école passionnelle simpliste, en France, par exemple, en Europe. Et puis, vous avez des débuts de recherches, d'explications un peu plus complexes, justement. Alors, la vision commune, celle que vous lisez tous les jours, vous entendez tous les jours, vous ouvrez la radio, la télévision, etc., l'Ukraine, Poutine, le président russe, cherche à reconstituer l'empire russe ou l'empire soviétique et qu'il veut donc reconquérir une sorte de colonie perdue, laquelle colonie se bat pour la démocratie et pour notre liberté à tous. C'est le discours que vous entendez tous les jours. Alors remarquez que dans les représentations, ces fameuses, pas encore si longtemps, même encore l'an dernier, on aurait eu des colloques sur l'Ukraine, beaucoup de gens auraient souligné que ce n'était pas du tout une démocratie, que c'était un pays où la corruption était extrêmement développée, et que effectivement il y avait une recherche d'indépendance, etc. Mais enfin, beaucoup de gens auraient eu un discours sensiblement différent. Mais aujourd'hui, c'est la vision, et nous nous battons tous. Il y a une part de vérité quelque part, on le sent bien, toujours la leçon de complexité. Mais il faut peut-être regarder aussi d'autres aspects. Alors, les autres aspects sur lesquels les historiens réfléchiront beaucoup, on commence déjà à y réfléchir, c'est qu'il y a eu la chute de l'Union soviétique, que cette chute de l'Union soviétique a amené une situation de décomposition de la Russie qui s'est prolongée pendant 10 ans, la fameuse décennie des années 90, que les Russes, assez curieusement du point de vue de l'histoire diplomatique, ont signé des traités qu'ils n'auraient probablement jamais signés le pays avait été un peu moins dans un état de décomposition, si on regarde la carte du continent eurasiatique avec une certaine hauteur et qu'on essaye de la regarder avec un regard russe plutôt qu'un regard ouest-européen centré, on verrait que les missiles occidentaux, fusées, troupes, etc. se sont progressivement rapprochés considérablement de la Russie, et on en déduirait toutes sortes d'interprétations différentes sur lesquelles je ne prolonge pas. Ce que j'essaie d'entrer de vous dire sur le plan de la méthode, c'est que, toujours pareil, la complexité, on peut avoir des regards extrêmement variés suivant le point de vue où l'on se place. Et à ce point, d'ailleurs, que Raymond Aron, dont vous connaissez tous le nom, lui-même, qui est l'un des plus grands penseurs libéraux français du XXe siècle, dans ses mémoires, si je ne me trompe, je n'ai pas vérifié, à la page 59 de l'édition originale de ses mémoires, dit que, à la limite, toute guerre peut être présentée par celui qui l'entreprend comme une guerre défensive. Je crois reconnaître M. le recteur, voilà, que je salue. Donc, tout ça, encore une fois, chers élèves, je vous le dis, comme tout le reste, uniquement pour vous amener à réfléchir. Je ne vous assène, encore une fois, aucune vérité. Ce n'est pas le but de ce propos. C'est plutôt de vous suggérer quelques éléments de méthode. En ce qui concerne les causes immédiates, c'est beaucoup plus simple, parce que la cause immédiate, c'est clair, il y a un agresseur, la Russie, qui, le 24 février 2022, a lancé une offensive militaire sous le nom d'opération militaire spéciale. Là-dessus, et du point de vue du droit international, quel que soit le point de vue
d'où vous pouvez regarder la question, c'est clair et net, il y a un agresseur. Voilà. Et un agressé qui est l'Ukraine, qui effectivement avait été reconnu en 1991 comme un État, y compris par la Russie, ce qui renvoie à ma remarque précédente sur la diplomatie. Bien. Ça, c'est la question de la cause immédiate. Alors, deux questions tout de même que je lance aussi, que je suggère à votre sagacité, qui d'ailleurs vont probablement aussi conduire à de nombreux travaux dans les années qui viennent, d'historiens. Le premier point, c'est comment se fait-il que certains Européens, dont la France et l'Allemagne, se soient à ce point trompés en ne voyant pas. Et ça, je peux vous dire que nous n'avons pas vu. Quand je dis nous n'avons pas vu, je parle là des dirigeants, je parle des services de renseignement, je parle de tous les appareils d'État, que ce soit la France et l'Allemagne, nous n'avons pas vu, ou peut-être d'ailleurs n'avons-nous pas voulu voir, que cette agression allait avoir lieu. Alors, c'est une question extraordinairement intéressante. Je brûle d'envie de vous développer ce point. Je ne vais pas le faire, mais j'essaierai de répondre à vos questions si vous me la posez tout à l'heure. Donc, gardez ça en tête. Pourquoi, particulièrement la France et l'Allemagne, n'avons pas vu, y compris quelques jours avant encore, que cette agression allait avoir lieu. Alors, le deuxième point qu'il faut souligner, c'est que beaucoup de gens ont commis des erreurs, pas seulement les services de renseignement, etc., mais les Russes se sont manifestement trompés. Quand je dis les Russes, entendez Poutine, qui vous voulez, les responsables, en tout cas russes, se sont manifestement trompés en imaginant qu'ils allaient pouvoir gagner très facilement cette guerre, puisque le but initial, c'était d'envoyer des colonnes de chars jusqu'à Kiev, de renverser le régime, de renverser le président Zelensky, et d'y installer à sa place un gouvernement fantoche, et il y avait d'ailleurs un assez grand nombre de candidats possibles pour ce faire, de sorte d'ailleurs que l'un des meilleurs services de renseignement du monde, qui lui avait pris beaucoup plus au sérieux cette agression, c'est-à-dire les Britanniques. Les Britanniques ont toujours été très forts en matière de renseignement, mais là, ils étaient peut-être un peu trop forts parce qu'ils avaient des noms, ils annonçaient même les noms de ceux qui allaient remplacer le président Zelensky. La première surprise, et qui a été une surprise évidemment pour les Russes eux-mêmes, mais qui a été une surprise aussi pour les autres, c'est l'échec militaire majeur qu'a représenté la première phase de la guerre, de sorte que les chars qui n'avaient pas encore été détruits ont dû faire demi-tour. On savait que la Russie était très faible sur le plan économique, et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'entre nous ne pensions pas qu'ils se lanceraient dans une aventure pareille, mais on ne pensait pas qu'ils étaient aussi mauvais sur le plan militaire, du moins dans cette première phase. Alors, il y a beaucoup d'autres erreurs qu'il faudrait analyser, mais tout de suite, je vous en dis une autre qui est plutôt dans l'autre sens. C'est que, justement, parce que nous savions que l'économie russe était très faible, songez que l'économie russe était à peine, en termes de PIB, l'économie actuelle de l'Italie ou de l'Espagne. Non. Mais on a pensé ensuite que les Russes, soumis à des piles de sanctions toujours augmentées, allaient s'effondrer rapidement sur le plan économique. Eh bien non, non. Ils ne se sont pas effondrés sur le plan économique et ils manifestent même encore aujourd'hui une certaine résilience sur lesquels aussi il serait intéressant de s'interroger. Vous savez, au fur et à mesure de mon propos, je vais vous suggérer un très grand nombre de questions que vous n'aurez pas le temps de me poser. Mais vous en poserez peut-être certaines, et bien peut-être d'ailleurs en poserez-vous d'autres. Alors ça a été la première phase de cette guerre. Alors ensuite, il y en a eu deux autres, et nous sommes aujourd'hui peut-être à la veille de la quatrième.
Alors, la seconde phase, ça a été qu'après leur premier échec, les Russes se sont repliés sur le Donbass, qui est justement la région avec la Crimée qui avait été annexée en 2014. Je ne refais pas l'histoire, qui est la région contestée et sur laquelle il y avait précisément des négociations qui n'avaient pas abouti. Et là aussi, c'est une question pour les historiens futurs, c'est pourquoi est-ce que les négociations, les accords dits de Minsk, etc., n'ont pas abouti dans les années précédentes. Mais étant donné que ces territoires sont de toute façon contestés, là, nous sommes en plein en géopolitique. Dans cette histoire de la contestation, c'est-à-dire que les Ukrainiens considèrent le Donbass comme faisant partie de l'Ukraine, les Russes considèrent que ce sont clairement des Russes et que ça fait partie des territoires russes. Là, nous sommes vraiment en plein dans la définition même de la géopolitique. Bon. Enfin, toujours est-il que la guerre, après ce premier échec des Russes, s'est concentrée sur le Donbass, avec d'ailleurs une définition du Donbass qui est relativement large. Il y a Donbass et Donbass, si je puis dire, c'est encore un autre sujet. Et cette seconde phase de la guerre est manifestement non conclusive. Elle est non conclusive, même s'il y a eu beaucoup de batailles, qui la reprise, par exemple, de Kherson, mais qui, pour les géostratèges ou stratégistes, était jouée d'avance. Je vais vous dire un mot, une parenthèse là-dessus. Il y a eu aussi Kharkiv. Alors, puisque Kherson et Kharkiv sont deux villes souvent citées, je fais une parenthèse sur la notion de géostratégie. On a parlé de géopolitique. La géostratégie, ce sont les caractéristiques géographiques que l'on retrouve dans toutes les guerres et qui sont liées aux questions, disons, de stratégie et qui contribuent à définir les stratégies et les tactiques. Alors, si vous me demandez maintenant la différence entre stratégie et tactique, je vous dirai ce qu'un adjudant-chef de mon temps à l'école polytechnique a dit à un de mes camarades qui lui demandait: mon adjudant-chef, pouvez-vous me dire quelle est la différence entre la tactique et la stratégie? Et l'adjudant-chef, que jusque-là j'avais pris pour quelqu'un de pas très intelligent, avait fait cette réponse admirable: à votre niveau, aucune. Si vous voulez qu'on approfondisse là aussi la distinction entre les deux, on essaiera de le faire, et si nécessaire, le général Creux, ici présent, viendra à mon aide. Donc, là, des villes comme Kherson et Kharkiv sont clairement des villes importantes au niveau du géostratégique. Kharkiv, par exemple, il y a eu quatre batailles de Kharkiv pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, ça illustre très bien cette notion de géostratégie. Bon. En tout cas, pour l'instant, la réalité sur le terrain, c'est que les Russes, lourdement, avec des pertes énormes, etc., mais ils occupent de fait 15 ou 16% du territoire ukrainien. Ça, c'est la réalité actuelle. Bien. Alors, maintenant, nous sommes entrés dans une nouvelle phase, et c'est la phase sur laquelle tout le monde, je suis dans la guerre, bien entendu, là, dans la guerre elle-même, tout le monde s'interroge, c'est-à-dire où les Ukrainiens, dont d'ailleurs tout le monde salue à juste titre l'extraordinaire combativité, courage, et ça fait partie aussi des grandes surprises de cette guerre, et je crois que cela mérite un formidable salut. Vous savez que, je pensais au général de Gaulle tout à l'heure, vous savez que la première phrase du livre du général de Gaulle, le Discorde chez l'ennemi, donc écrit, publié 6 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, c'est pour rendre hommage aux Allemands. Pour rendre hommage aux Allemands, c'est-à-dire à l'ennemi, hein, c'est-à-dire à sa capacité de combat. C'est assez extraordinaire. Je veux dire que rendre hommage, quel que soit le vainqueur et le vaincu, si le problème se présente dans ce sens-là, il peut toujours y avoir place pour rendre hommage à ses adversaires.
En tout cas, quel que soit le résultat, il faut saluer l'extraordinaire courage des Ukrainiens et qui sont en train, effectivement, de se battre pour ce qui serait pour la première fois, n'est-ce pas, pour la conquête d'un territoire vraiment national. Ce serait la grande guerre nationale pour l'Ukraine. C'est évidemment ça l'enjeu, ce qui n'implique pas forcément les frontières. Notez-le au passage. Alors, aujourd'hui, de quoi s'agit-il ? Aujourd'hui, il s'agit pour les Ukrainiens, ce que cherchent les Ukrainiens, c'est à mener une contre-offensive avec l'objectif affiché de reconquérir la totalité des territoires qui ont été pris par les Russes, y compris par conséquent la Crimée. C'est comme ça. Les objectifs parfois sont définis de manière différente. Au début, ils n'affichaient pas les choses aussi clairement, surtout en ce qui concerne la Crimée. Aujourd'hui, c'est comme ça que le problème se pose. Et pour celles et ceux d'entre vous qui suivaient l'actualité, vous voyez bien que c'est tout l'enjeu des discussions de ces derniers jours sur les fameux chars. Puisque pour mener une offensive de ce genre, il faut des équipements militaires particuliers. Les Occidentaux fournissent à peu près tout, enfin énormément d'équipements aux Ukrainiens, mais pas jusqu'ici les chars lourds qui permettraient, à condition d'être en nombre suffisant et d'être évidemment servis par des soldats entraînés, ce qui pose toutes sortes de problèmes, pourraient éventuellement leur permettre une reconquête. Et j'emploie beaucoup de précautions oratoires. Alors là aussi, je n'entre pas dans les détails, puisque les minutes passent, mais c'est aussi un sujet dont nous pouvons discuter, une question qui se pose. Pourquoi est-ce que les Allemands, mais aussi les Américains, et les Américains sont les chefs de file, sur le plan occidental, c'est eux qui sont les chefs effectifs de la coalition qui soutient l'Ukraine. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas donner leur fameux char Abrams aux Ukrainiens ? Et puis les Français, en troisième position. Bon, alors il y a toutes sortes d'explications techniques que je peux vous donner. D'ailleurs, elles sont assez simples. Mais on peut se demander si derrière tout ça, la véritable réponse, c'est que ni les Américains, ni les Allemands, ni les Français n'ont particulièrement envie à ce stade de se lancer dans une nouvelle phase qui serait clairement perçue comme offensive donc du point de vue des Russes et qui pourrait éventuellement déborder sur une phase suivante qui, elle, pourrait entraîner une escalade. Et quand on parle d'escalade, vous savez bien que ça pose immédiatement la question de l'emploi de l'arme nucléaire. Alors, voilà quelle est la situation aujourd'hui. Alors maintenant, j'aborde aussi, reportez-vous, un cours d'histoire, mais encore une fois, parler du passé, c'est plus facile, parce que parler des guerres de Napoléon, ou tout à l'heure, ce matin, à la radio, peut-être certains d'entre vous l'ont-ils entendu, ont parlé allègrement de Robespierre, des têtes coupées, la personne qui en parlait riait, qu'il y a des gens qui aimaient beaucoup Robespierre, etc. Oui, sûrement, mais parler de Robespierre, de Danton, des gens qui ont été guillotinés, etc., etc., aujourd'hui, ça nous laisse, on en parle froidement. Je pense que pour les gens qui vivaient à cette époque, enfin, on parlait peut-être un peu moins froidement, voyez-vous. Donc, c'est la méthode d'analyse d'une guerre passée, ça se présente pour les étudiants que nous sommes tous, un peu différemment de l'analyse d'une guerre qui est en cours aujourd'hui. Alors, je vais essayer de vous parler, là aussi, avec le maximum de méthodes possibles. On parle de sortie de crise, fin de guerre, ça peut donner quoi ? Bon. Alors, trois catégories d'issues possibles. La première, c'est est-ce qu'il peut, dans les mois qui viennent, peut-il, dans les mois qui viennent, y avoir des conditions réunies pour permettre une négociation, disons d'ici la fin de 2023, si vous voulez être concret. Bon.
Alors pour cela, là aussi je suis toujours dans la méthode, pour que de vraies négociations s'engagent, il faut que chacune, en simplifiant et en supposant qu'il n'y a que deux parties, ce qui est plus compliqué que ça, puisque du côté russe, effectivement, il y a une partie sur les Russes, bon, avec toutes sortes d'influences, les Chinois, etc., etc. Mais de l'autre côté, vous avez une coalition avec les États-Unis et les Européens, mais c'est les États-Unis qui sont clairement les chefs de file. Donc c'est pas Zelensky tout seul qui va décider. Il va y avoir ça va être compliqué, cette affaire-là, sinon complexe. Alors simplifions en faisant comme s'il y avait deux parties qui s'affrontaient. Qu'est-ce qu'il faut? Quelles conditions faut-il pour qu'ils commencent à rentrer dans une situation de négociation? Eh bien, pour ça, il faut que chacune des deux parties ait la conviction qu'en poursuivant les opérations, il y a plus à perdre qu'à gagner. Par conséquent, pour que des négociations puissent s'entamer, il faut que chacune des deux parties considère qu'il y a plus de risques pour elles, les parties, que de rechercher un accord, en théorie des jeux, vous faites peut-être un petit peu de ça dans certains de vos cours, un accord qu'on appelle coopératif, c'est-à-dire pour essayer de s'entendre sur une solution. C'est ça une négociation, c'est d'aboutir à un accord à l'ombre toujours de la force. La force est toujours derrière. Mais on pense que c'est le moment d'arrêter de poursuivre les opérations militaires. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, tel qu'on peut voir les choses aujourd'hui? Parce que si je suis réinvité devant vous dans 3 mois, il y aura des éléments nouveaux, évidemment. Donc, mon mode de raisonnement n'aura pas changé. Ce qui aura changé, c'est qu'il y aura des éléments nouveaux qui font que j'évoluerai sur les probabilités, des choses de ce genre. Alors aujourd'hui, je ne le vois pas très bien. Enfin, je pense que c'est peu probable. Peu probable ne veut pas dire totalement improbable. N'oubliez jamais, je pense que certains d'entre vous ont fait un peu de calcul des probabilités, et vous savez que même un événement de probabilité nulle peut se produire. Bon, il est vrai d'ailleurs que nul, c'est pas beaucoup. Parce que la probabilité que moi qui vous parle, je me mette à m'élever comme ça, au-dessus de vous et à planer au-dessus de cet amphithéâtre, du point de vue de la physique statistique, n'est pas nulle. Mais je reconnais que c'est très peu probable. Alors maintenant, si je le faisais, vous voyez ce qui se passerait. C'est très peu probable, mais ça n'est pas nul. Bon, je n'insiste pas là-dessus. Mais enfin, il faut être prudent avec l'interprétation des probabilités. Alors, je crois que c'est très peu probable. Pour la bonne raison, c'est que les Ukrainiens, pour l'instant, affichent des objectifs qui sont des objectifs extrêmes, que même les stratèges militaires, même les plus favorables à la cause ukrainienne, considèrent que ce serait extrêmement difficile à atteindre. Et là, vous savez, c'est pas 20 chars qu'il faudra pour ça. C'est des centaines de chars. C'est peut-être entre eux, mon général, peut-être 300 chars, quelque chose comme ça. Mais surtout les hommes, parce que vous voyez bien que les réserves humaines en Ukraine sont beaucoup plus rares qu'en Russie, qui a des potentialités de mobilisation qui peuvent s'exprimer en centaines de milliers, voire en millions. Même avec les équipements, la formation, si toutes les conditions sont réunies, ce ne serait probablement pas quelque chose de facile. Mais en tout cas, les conditions sont telles. En tout cas, c'est ce que souhaitent les Ukrainiens à l'heure actuelle. Donc on ne les voit pas prêts. Et d'ailleurs, l'opinion publique ukrainienne probablement ne comprendrait pas que brusquement on entre dans une phase d'ouverture de négociation. Quant aux Russes, il est absolument manifeste qu'ils s'installent dans une logique totalement différente à l'heure actuelle, c'est-à-dire celle d'une guerre de longue durée, au contraire. Et de mobilisation de guerre totale au sens notamment de mobilisation économique, etc.
Même s'ils n'ont pas l'économie la plus puissante, les industries militaires, les chars, les équipements, les armements les plus sophistiqués, ils ont des capacités de mobilisation, d'armement qui peuvent faire extrêmement mal pendant longtemps. En tout cas, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on ne voit pas. À ma connaissance, et quand je parle avec les gens qui étudient ces aspects, à commencer par l'IFRI, qui étudie de très très près ces questions, les conditions d'une entente sont... Je ne dis pas qu'elles sont nulles, je dis que c'est très peu probable. Le genre d'événement qui pourrait faire basculer les choses, c'est un changement radical de la position américaine, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui peut toujours se produire avec les Américains. Ça s'est produit de nombreuses fois, parce que les Ukrainiens, quelle que soit leur capacité humaine, leur héroïsme, etc., ils ne peuvent pas aller très très loin s'ils ne sont pas constamment soutenus par les Occidentaux, et donc d'abord par les Américains. On ne le dira jamais assez. J'ouvre une parenthèse parce que je m'aperçois que j'ai oublié dans la description de la guerre, j'ai oublié une phase, j'ai parlé de la première, de la seconde, et j'ai oublié évidemment la troisième, mais je dis, c'est qu'après cette guerre de position dans le Donbass, évidemment les Russes ont commencé toutes ces attaques en profondeur, les bombardements sur des sites, etc., afin à la fois de détruire l'économie ukrainienne et d'atteindre, dans la mesure autant que possible, de leur point de vue, le moral naturellement des Ukrainiens. Donc c'est la troisième phase, je suis passé trop vite sur la quatrième, qui est celle dans laquelle ils essayent de s'engager aujourd'hui. Donc la première issue, ce serait une négociation. Bon, une négociation rapide, j'entends. La deuxième issue, ce serait une victoire de l'un des deux camps. La victoire de l'un des deux camps, vous me voyez tapoter toujours, c'est assez énorme, parce qu'il se trouve que sur ce téléphone, j'ai l'indication du nombre de minutes où j'ai parlé. Mais à chaque fois, je suis obligé de refaire le code, ce qui est assez exaspérant. Vous voyez comment les guerres se perdent. Alors, la victoire d'un des deux camps. La victoire d'un des deux camps, ça veut dire quoi? Pour les Ukrainiens, c'est clair ce qu'ils disent, puisqu'ils le disent. Ils disent leurs objectifs de guerre. C'est reconquérir le territoire. Bon, la reconquête du territoire ukrainien avant la fin de l'année, enfin, ou peut-être plus tard, bon, à ce moment-là, puisqu'on est... Bon, en tout cas, c'est ça, leurs objectifs. Alors, ça supposerait un effondrement du côté russe. Et alors, je connais un certain nombre de mes amis qui parlent de ça depuis longtemps, qui font le parallèle avec la guerre de 1905, la guerre russo-japonaise. Laquelle guerre russo-japonaise m'intéresse d'autant plus, figurez-vous, qu'en classe de première, à l'époque, c'était le bac, j'ai été présenté au concours général d'histoire. Mais à ce moment-là, le programme s'arrêtait en 1914 et les profs ils n'allaient jamais au-delà de 1870. Donc je me retrouve devant mon sujet et je vois la guerre russo-japonaise de 1905. J'avais été à peine jusqu'à 1870. Que pouvais-je faire ? Partir. Bon. Je suis donc parti, mais quelques dizaines d'années après, dans une des introductions de Ramsès, j'ai fait un long développement sur la guerre russo-japonaise de 1905, histoire de faire la copie que je n'avais pas pu faire en 1959. Bon, ça c'est pour la parenthèse. Alors, beaucoup de gens rêve un peu d'un effondrement de la Russie. Moi, je ne suis pas spécialiste de la Russie, mais je l'ai sillonné en long, en large et en travers dans les années 90. J'y ai beaucoup été, j'ai vu beaucoup de monde, pas forcément les grands chefs. J'ai vu les grands chefs, mais j'ai vu beaucoup de gens qui n'étaient pas les grands chefs. Je vais vous dire, je ne crois pas à l'effondrement de la Russie. Encore une fois, toujours en probabilité. Hein, ça veut dire que je serais extraordinairement surpris que dans les 5 ans qui viennent, la Russie s'effondre. Si elle s'effondrait néanmoins, remarquez, ce ne serait pas forcément une très bonne nouvelle pour le reste du monde.
par tous les problèmes que ça entraînerait sur la périphérie. Regardez du côté de la Chine, regardez les pays comme le Kazakhstan, par exemple, et autres. Mais surtout, regardez si véritablement la Russie commençait à se décomposer et que donc ses dirigeants se mettraient à considérer que là, c'est vraiment une question existentielle. C'est à ce moment-là aussi que vous retrouvez le risque nucléaire et d'escalade nucléaire. Oui, il faut penser à tout ça quand on fait de la stratégie. Donc, la victoire... les Russes, cependant, M. Poutine s'est bien gardé jusqu'ici. Il n'a jamais explicité ce qu'il entendait, quels étaient ses buts de guerre. Bon. Les Ukrainiens ont explicité leurs buts de guerre. Les Russes ne l'ont jamais explicité, en termes extrêmement vagues, ce qui permettra éventuellement à M. Poutine ou à un autre, probablement M. Poutine, un certain jour de dire « bon, voilà, j'ai obtenu ce que je voulais ». C'est-à-dire qu'il a toujours gardé une marge de flexibilité. Alors, s'il n'y a pas de victoire claire dans les années qui viennent, nous retombons sur la question de la guerre d'attrition. Qu'est-ce qu'on appelle des guerres d'attrition ? C'est une guerre qui se prolonge. La durée d'une guerre mondiale, généralement, c'est 4-5 ans. C'est une guerre qui se prolonge et à ce moment-là, toutes les forces, y compris économiques, etc., de chaque pays, sont engagées jusqu'à ce que l'un des deux s'effondre pour une raison ou pour une autre. La discorde chez l'ennemi, l'effondrement des Allemands en 1918 qui s'est fait in extremis. Parmi d'ailleurs les causes mentionnées par le général de Gaulle dans son livre de 1924, il y a la guerre sous-marine accrue par les Allemands ils étaient divisés entre eux, mais c'est la raison pour laquelle les Américains sont intervenus en 1917. Si les Allemands n'avaient pas fait ce choix, les Américains ne seraient probablement pas intervenus et les Allemands auraient probablement gagné la Première Guerre mondiale, soit dit au passage. Ça peut donner des résonances aussi quand vous réfléchissez à la situation actuelle. Donc, une guerre d'attrition, et je pose la question, enfin, comme tout le reste, je pose la question, est-ce que les Russes seront nécessairement les perdants dans une guerre d'attrition ? Je n'en suis pas sûr. Et je n'en suis pas certain non plus, bien sûr. Mais je n'en suis pas sûr. Vous voyez, par exemple, même en Europe, les Français, Allemands, etc., n'ont pas encore totalement intégré dans leur raisonnement les conséquences même économiques de la guerre actuelle. Vous voyez, beaucoup de Français, j'écoute la radio, je lis les journaux, je parle aux gens, considèrent que le quoi qu'il en coûte doit permettre de résoudre le problème du coût de l'électricité, de l'énergie, etc. Enfin, ce sont des questions que l'on doit aussi se poser quand on fait une analyse globale. Alors, je conclue en posant trois autres questions. Encore une fois, je pose des questions. Je pose des questions. Je ne vous suis attaché à aucune thèse particulière et j'écoute avec respect et attention toutes les personnes qui réfléchissent sur ces sujets. Bon. Première question, quels seront les effets de la guerre d'Ukraine sur l'avenir de l'Union européenne. Et en tant que Français, en tant qu'Européen, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Et je dois vous dire que je ne suis pas particulièrement optimiste. Parce que les Européens, derrière les apparences, y compris ce qui s'est passé ici même avant-hier, sont plutôt sur une voie de division. Pas dans le jour le jour, le discours est... Mais la France et l'Allemagne, pour l'instant, donnent des signes, hélas, de divergence sur quelques points fondamentaux. Vous avez une très claire divergence entre les pays d'Europe du Nord, particulièrement la Pologne, les pays baltes, entre autres. Bon, mais les pays du Sud...
quels que soient les discours apparents, ne sont pas exactement sur la même vision, y compris sur l'élargissement de l'Union européenne. Je vous rappelle, c'est dans vos cours, qu'après la chute de l'Union soviétique, on s'est posé à l'époque la question de ses conséquences sur l'Union européenne, et là, il y a eu cette sorte de miracle. Les miracles aussi, ça existe. Encore une fois, je ne me suis toujours pas soulevé, d'ailleurs. Vous voyez, ça n'a pas encore fonctionné, cette histoire-là, mais en 1992, vous avez eu un miracle, qui est le traité de Maastricht, qui est quelque chose d'assez extraordinaire, extrêmement improbable, ex ante, c'est la création de l'euro, de la monnaie unique, à laquelle la plupart des Européens sont aujourd'hui d'ailleurs extrêmement attachés. Mais je ne vois pas dans les mois qui viennent, ou même dans les années qui viennent, quelque chose d'équivalent et d'aussi entraînant que ce phénomène extraordinaire qu'a été la création de l'euro. En tout cas, une vraie question, c'est l'avenir de la construction européenne. Historiquement, quand si vous regardez les choses là aussi avec une certaine hauteur ou profondeur, comme vous voulez, l'Union européenne elle-même est une construction extraordinairement improbable. Je n'exclus pas que vous voyez dans votre vie la décomposition de l'Union européenne. Si je vous dis ça, ce n'est évidemment pas que je la souhaite, bien au contraire. Je vous dis ça parce que je voudrais que certains d'entre vous se souviennent pour lutter contre ça, justement, pour essayer de l'empêcher. Parce que, chers élèves, étudiants, il faut dire les choses. Il faut dire les choses. C'est en disant les choses, même quand elles sont désagréables, qu'on a une chance d'y porter remède. Si vous ne dites pas, si vous n'identifiez pas, et c'est là que vous avez les plus grands risques de sombrer. Donc moi, je vous le dis, il y a un risque, et un risque sérieux. Bon. Alors, il y a une question, évidemment, à laquelle je n'ai pas la réponse. J'ai en face de moi la grande spécialiste de la Russie et du monde post-soviétique à l'IFRI. Mais jusqu'à quel point les Russes sont-ils encore Russes ? La question que je pose, c'est celle du patriotisme russe. Ils parlent maintenant de l'image de la Grande Guerre patriotique. Je crois que beaucoup de gens qui suivent ça de près disent « Mais non, on ne reconnaît absolument pas ça dans les comportements des Russes à l'heure actuelle. » Bon, il est certain que si les Russes ne sont plus Russes, s'ils ne sont plus patriotiques comme ils l'ont été pendant leur histoire, à ce moment-là, ils vont s'effondrer, forcément. Mais enfin, à supposer qu'ils le soient toujours et qu'il y a encore des réflexes qui fonctionnent, vous voyez, ça donne des scénarios extrêmement différents. Alors, le dernier point que je vous soumets, qui est extrêmement troublant et intéressant parce que troublant, ou l'inverse, est le suivant. J'ai lu, et certains d'entre vous l'ont peut-être lu, un article tout à fait étonnant d'Emmanuel Todd, dont chacun connaît le nom, qui est en tout cas un très grand anthropologue. Il a publié ça dans le Figaro il y a une quinzaine de jours. Et il fait le résumé d'un livre qu'il a publié au Japon, en japonais, et il explique d'ailleurs qu'il n'a pas voulu le publier en français parce qu'il pensait que le public français n'était pas capable de supporter ce qu'il disait. Mais il regarde, je vous ai dit au début que dans les phénomènes complexes, il faut les voir de diverses facettes. Lui, il voit les choses essentiellement en anthropologue. Et la thèse centrale d'Emmanuel Todd, c'est que du point de vue anthropologique, les Russes aujourd'hui incarnent une civilisation qui est la quintessence du conservatisme, si vous voulez. C'est-à-dire que, pour dire les choses d'une manière extraordinairement caricaturale, c'est le conservatisme de la famille traditionnelle par rapport aux LGBT. Enfin, je caricature, parce que les arguments d'Emmanuel Todd sont beaucoup plus sophistiqués que cela.
Et effectivement, si on entre dans une interprétation de ce genre, même les écrits et les pensées stratégiques, etc., qui s'expriment dans de nombreux écrits en Russie, on prend un regard dessus qui est tout à fait différent de celui que l'on peut avoir d'un point de vue strictement stratégique, militaire, au sens large. Alors, je n'ai pas le temps, je ne peux pas rentrer dans cette analyse en détail, mais c'est une question effectivement très intéressante. Et l'auteur, donc Emmanuel Todd, fait remarquer que 75% de la planète est beaucoup plus du côté conservateur, en ce sens-là, que du côté que nous appelons progressiste dans les pays occidentaux, et spécialement aux États-Unis et en Occident. Et donc, effectivement, si on prend cette approche, on a une véritable guerre de civilisation qui ne serait pas tellement la guerre de civilisation au sens de Huntington, dont vous avez sûrement entendu parler, mais qui serait véritablement Occident contre reste du monde. Donc je termine sur cette question. Et maintenant, je suis à votre disposition pour... J'ai dépassé de 5 minutes tout de même, hein, c'est pas bien. Pour essayer de répondre à la question que vous pourriez vous poser. Bon, ben, après cette leçon de complexité, la parole est à vous. 2 micros vont circuler. Nous avons à peu près 20 minutes. Et nous allons donc prendre plusieurs questions. Levez bien haut la main et présentez-vous quand vous parlez. Dites juste d'où vous venez. Il marche ? Je ne sais pas si vous m'entendez ? Chute, s'il vous plaît. Bonjour, déjà merci. J'avais une question, vous avez mentionné... D'où vient la voix ? D'ici. Ah. Vous avez mentionné la problématique des chars lourds et donc du matériel. Et j'aurais une question, est-ce que vous avez vous envisagé un après avec le matériel ? Donc par exemple une récupération ou leur laisser ? Je ne sais pas si vous comprenez vraiment ce que j'entends par là. Est-ce que vous pourriez, parce que j'ai manqué raisons, est-ce que vous pourriez reformuler, j'ai entendu... techniquement que la moitié de votre phrase. Donc ce serait, vous avez donc abordé la question des chars lourds et donc des dons de matériel, et la question que je me posais, ce serait quel serait l'après pour ce matériel ? Est-ce qu'on le récupérerait ou on leur donnerait indéfiniment ? Est-ce qu'il serait à eux, entre guillemets ? Vous voulez dire ce qui n'aurait pas été détruit ? Exactement. Oui. Bon, alors, votre question est très tactique, hein, parce que, mais très intéressante, effectivement. Vous avez sans doute étudié, je ne sais pas si dans les cours actuellement en première ou en terminale, on parle de la Seconde Guerre mondiale. Bon, je sais pas, la Seconde Guerre mondiale fait partie des sujets du programme ? Bon, oui. La réponse est oui. Bon. Alors, vous savez que les Américains ont donné énormément de matériel aux alliés, y compris les Russes d'ailleurs, donc les Européens et les Russes, dans le cadre d'accords qu'on appelle Lend-Lease. Bon. Et alors j'ai essayé, alors ça pose dans un cadre un petit peu plus général votre question, c'est-à-dire quelles étaient les conditions financières ou autres attachées à ces livraisons. Bien, figurez-vous que j'ai interrogé beaucoup de gens, y compris des gens qui auraient été supposés me répondre clairement à cette question, et je n'ai pas encore eu de réponse claire. Bon. C'est-à-dire que, est-ce que c'était payé, pas payé, remboursé, etc. Bon. Alors, la réalité, mais je n'ai pas... Il y a sûrement des spécialistes qui connaissent, peut-être même y en a-t-il dans cette salle, d'ailleurs, qui connaissent la question, mais il y a eu effectivement énormément de contreparties, mais pas forcément monétaire ou matériel, qui étaient des contreparties politiques.
c'est-à-dire toutes les positions que les Américains ont pris des bases qui ont été déployées ici ou là après la Seconde Guerre mondiale. C'était beaucoup plus un cadre politique. Alors, il est tout à fait possible que cette question, je n'en sais rien, hein, mais il est tout à fait possible que ce genre de question ne soit pas traitée immédiatement. C'est possible que dans un premier temps, on dit, on vous donne les matériels, et on vous donne entre guillemets les matériels, et puis on regarde, ça crée des dépendances, et on regarde ensuite ce qui se passe. Donc, ma réponse courte, c'est que votre question est très intéressante, que je ne connais pas la réponse. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'il y aura des contreparties. D'accord, merci. Bonjour. Je m'appelle Victoria du lycée Vendongen de Lagny-sur-Marne. Où est Victoria? Ah, là-haut. Donc, je voulais vous poser la question que vous nous avez suggérée et qui m'intéresse du coup. Donc, pourquoi la France et l'Allemagne n'ont-ils pas vu venir l'attaque de la Russie, ou plutôt pourquoi n'ont-ils pas voulu la voir venir? D'accord. Alors, je vous ai tendu la perche, merci de l'avoir saisie, mais je ne résiste pas à prendre 30 secondes de votre temps précieux pour vous raconter une anecdote dont je me souviens moi, vous étiez encore dans les limbes de beaucoup. C'est à l'époque du général de Gaulle. Le général de Gaulle faisait des conférences de presse qui étaient absolument remarquables. Elles étaient d'autant plus remarquables que toutes les questions étaient prévues à l'avance et que les journalistes à l'époque étaient sélectionnés et ils ne pouvaient rentrer dans la salle qu'autorisée par le ministère de l'Information. Et comme ils étaient posés à l'avance, le général de Gaulle pouvait préparer les réponses, etc. Et donc un jour, la conférence de presse se produit, éblouissante comme à chaque fois, sauf que le journaliste qui était supposé poser une certaine question n'était pas là. Donc à la fin, de Gaulle attend la question qu'il ne lui est pas posée. Et voici ce qu'il a fait. C'est de Gaulle. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu des bandes sonores. Bon. Quelqu'un, je crois, m'a posé une question sur... Alors, personne ne bouge. Eh bien, ça ne fait rien. J'y répondrai quand même. Et il a répondu à la question qui ne lui avait pas été posée. Mais enfin, grâce à vous, la question est posée. Alors, il y a plusieurs pistes pour cette question. D'abord, c'est toute la question du renseignement. Le renseignement, bon, savoir qu'il y avait des déploiements de troupes, même les localiser assez précisément, etc., tout ça n'était pas la partie la plus difficile. Le renseignement, c'est toujours une question d'interprétation. Bon. Alors, interpréter des déploiements de troupes, même de grande envergure, une des interprétations possibles, c'était des préparations, soit de faire ce qu'on appelle la gesticulation, c'est-à-dire pour impressionner les voisins, ou pour faire des exercices préparatoires à une éventuelle invasion future. Là, pour trancher entre des interprétations différentes, et il faut avoir d'autres informations. Et là, vraisemblablement, nous avons eu un déficit d'informations. Il semble que les Américains et les Anglais, par exemple, aient eu beaucoup plus d'informations que nous n'en avions et que nous n'avons pas eu, qu'ils ne nous ont pas communiqué, sauf à l'extrême fin, dans les derniers jours. Bon. Donc il y a toute une réflexion un peu technique, si vous voulez, sur le renseignement. Ça, c'est une piste possible. Une deuxième piste, c'est que dans la vie, et je suis sûr que pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà fait cette expérience, on ne voit que ce qu'on veut voir. Quand on n'a pas envie de voir quelque chose, quand on n'a pas envie d'entendre quelque chose, on ne le voit pas ou on ne l'entend pas. Bon. Donc il y a une question d'interprétation. Or, il se trouve qu'en 2003, c'était à la veille de la guerre d'Irak, rappelez-vous,
le général Powell, qui était le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État américain de l'époque, avait déployé toutes sortes de graphiques pour démontrer que Saddam Hussein, le leader, le dictateur irakien, était doté des armes les plus effroyables et était prêt à les utiliser. Et notamment, or, tout ça était bidon. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu après le renversement de Saddam Hussein que tout ce que nos amis américains avaient montré était faux. Donc nous avions le souvenir de la d'une désinformation américaine massive. Et donc beaucoup d'entre nous avons cru qu'on était dans un scénario de ce genre. Donc c'est la seconde interprétation possible. Bon. La troisième, et cette liste n'est pas exhaustive, hein, la troisième qui avait un certain sens aussi, c'était que, et ça c'est typiquement le genre d'erreur que quelqu'un comme moi, moi-même, j'ai faite, hein, c'était de penser que l'économie russe était tellement faible que je voyais mal, rationnellement, la Russie se lançait dans une aventure pareille. En quoi j'ai commis une double erreur. Je ne suis pas le seul. Hein. Bon. Mais la double erreur, j'y ai fait allusion dans mon exposé, c'était de sous-estimer la résilience de l'économie russe, même si elle n'est pas du tout comparable aux économies occidentales. Bon. Et également de sous-estimer le calcul éventuel de Poutine, qui était effectivement, où lui s'est trompé, pour le coup, c'est une erreur au second degré, c'est-à-dire que Poutine avait calculé qu'il allait pouvoir renverser très, très rapidement le régime ukrainien. Alors, vous voyez, c'est la combinaison de toutes ces choses-là qui a produit ce résultat. Mais en ce qui concerne les Américains, les Anglais et, semble-t-il aussi, les Polonais, voire les Ukrainiens eux-mêmes, je pense qu'ils en savaient beaucoup plus que nous. Voilà, succinctement, mais ça fera aussi des thèses, des objets de thèses futures. Bonjour, je m'appelle Amine, je viens du lycée Montesquieu à Herblay. Je voulais vous demander, pensez-vous que le conflit opposant l'Ukraine et la Russie peut-être caractérisé de nouvelle guerre froide? Pour l'instant, c'est une guerre chaude. Oui. Oui, bonjour, monsieur. Oui, j'aurais... Vous êtes la parfaite illustration de l'élève, de l'étudiant qui doit prolonger ses études. Oui, oui, oui. Quelques échecs, effectivement. Non, j'avais une question concernant l'armement. Est-ce que finalement, la réponse à la question de l'armement vendu, pas vendu, est-ce que Zelensky n'a pas répondu un petit peu à cette question-là en disant qu'il nous aide, participera à la reconstruction plus tard de l'Ukraine? Et j'avais une autre question. Lié fondamentalement à votre explication, hein, votre vision évoquant plutôt une guerre d'attrition entre l'Ukraine et la Russie, est-ce que finalement, compte tenu du rôle majeur des États-Unis, tout le monde a en ligne de mire, comme date butoir, la prochaine élection américaine, quand même un petit peu la clé de ce qui peut se passer demain pour résoudre cette question de ce conflit ukrainien? Je vous remercie. Alors, sur le premier point, si vous me permettez, c'est plus compliqué que ça, parce que Zelensky et autres, ils peuvent dire effectivement, on va vous remercier en vous faisant reconstruire l'Ukraine, sauf que qui va payer? C'est pas l'Ukraine qui va payer. Donc, ça veut dire, on vous remerciera de bien vouloir nous redonner, de refinancer en fait cette reconstruction. Je ne crois pas que ce sont les Russes qui le financeront, entre parenthèses, etc. Alors, ce qui est vrai, je parlais tout à l'heure de contrepartie, c'est que l'Ukraine, quelles que soient ses frontières futures, l'Ukraine sera dans le camp occidental. L'Ukraine, je dis bien, quelles que soient ses frontières futures.
vous entendez la remarque, bon, mais sera dans le camp occidental. Il y aura de toute façon besoin d'une nouvelle architecture de sécurité après. Et c'est dans le cadre, évidemment, de ce nouveau camp occidental que se posera globalement la question qui paye quoi, au bénéfice de qui. Et les Américains auront évidemment une part très importante du gâteau. Bon. Alors, en ce qui concerne le second point, vous avez évidemment raison d'attirer l'attention sur la situation aux États-Unis. C'est d'ailleurs la question qu'on se posait avant les élections de novembre. Parce que ce qu'on appelle les midterm elections aux États-Unis, parce que avant ces élections, les perspectives étaient plutôt d'une victoire des Républicains. Et si la crainte était que les républicains, ils n'étaient pas très chauds pour continuer à soutenir les Ukrainiens à cette échelle. Et donc la relative défaite des républicains a été une bonne nouvelle pour les soutiens des Ukrainiens. Maintenant, en effet, dans deux ans, la situation politique intérieure aux États-Unis jouera, oui, un rôle très important. Mais enfin, ça fait encore deux ans hein, d'ici là. Bonjour, je suis au lycée Sophie Germain et j'aurais aimé savoir, je m'appelle Lucie, dans le quatrième, et j'aurais aimé savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu si peu d'interventions, enfin de réactions au moment de l'annexion de la Crimée. Voilà. Alors, je pense qu'il y a un ensemble de facteurs. D'abord, là encore, je distingue les Européens et les Américains. Bon. C'est-à-dire que les Américains se sont intéressés de très 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 près à l'Ukraine dès la chute de l'Union soviétique. Moi, je suis allé en Ukraine en 1990. L'Ukraine était encore dans l'Union soviétique. J'ai été stupéfait par le nombre d'Américains qui étaient partout à Kiev. Je pourrais vous en parler longuement. Et tout ceci n'a fait que se déployer ensuite. Il y a toute une saga derrière tout ça. Mais les Européens n'ont pas été... Et puis vous avez aussi toutes sortes de visions géopolitiques, pour le coup, les Brzezinski, etc. Vous avez dû en entendre parler, qui attachaient une importance considérable à l'Ukraine, à ce que l'Ukraine se rentre un peu dans la sphère occidentale. Les Européens n'ont pas été très attentifs à ça. Il faut bien voir que moi, comme Français, et malgré mon métier, je voyais l'intérêt qu'y portaient les Américains, etc., mais je ne sentais pas les Européens, et les Français en particulier, particulièrement intéressés à ce sujet. Mais le résultat, c'est que le rôle des Américains s'est développé. Bon, il y a eu ensuite Maïdan, etc., Révolution Orange, Maïdan, ça, qui se sont passés en Ukraine. Et Poutine avait préparé, là, ça, il est clair qu'il y avait une préparation d'un scénario d'annexion de la Crimée, mais dont, en tout cas, moi, je n'avais jamais entendu parler. Je suppose que les spécialistes des renseignements de différents pays avaient eu vent de ça. Je n'en suis pas sûr, d'ailleurs, pour ce qui concerne la France, mais en tout cas, ce plan a existé parce que, militairement, l'opération a été réalisée militairement d'une façon impeccable, militairement. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi un complément de réponse à la question qui a été posée tout à l'heure, parce que l'opération militaire de 2014 a été exécutée tellement bien que certains ont pu, que les Russes eux-mêmes ont peut-être pensé que ça allait marcher aussi bien en 2022, voyez-vous. Alors, le dernier point, et je sais que c'est un point de controverse, mais il y a beaucoup de gens qui pensent
que la Crimée était essentiellement un territoire russe. Alors, je sais que ça, c'est un point de controverse qui suscite des passions, mais enfin, en ce qui concerne le droit international, ce qui est incontestable, c'est que l'Ukraine était une, en tant qu'État membre de l'Union soviétique, la configuration des frontières interne à l'Union soviétique, c'était une affaire essentiellement administrative, et la fameuse histoire que, pour des raisons diverses et variées, Khrushchev à l'époque avait mis la Crimée dans l'Ukraine, c'est une histoire qui est parfaitement incontestable et exacte. Donc vous avez toutes sortes, en tout cas, je ne sache pas que la population de la Crimée se soit révoltée contre cette annexion. Vous voyez, donc tout ça, ça nourrit évidemment beaucoup de discussions actuelles, historiques, et qui pèseront sans doute aussi sur le futur. Bonjour, je m'appelle Sixtine, merci monsieur. Je suis du lycée... Je suis du lycée Notre-Dame de Sion. On a évoqué la question de la résilience de la population ukrainienne et du patriotisme russe. Est-ce qu'on peut espérer un sentiment de révolte ou de contestation de la part de la population russe? Et si oui, est-ce qu'un effondrement de la Russie en sera le résultat direct, hein? Pourquoi espérer? Vous dites espérer. Peut-on comment espérer dire? Est-ce que... C'est une question piège que je pose. Non, mais il y est présent, mais à une échelle assez restreinte. Est-ce qu'on peut espérer, est-ce qu'il gagne en ampleur malgré toutes les sanctions qui peuvent être exactées? Écoutez, très franchement, je n'en sais rien. Parce que... il y a des choses, quand je dis je n'en sais rien, rassurez-vous, ce n'est pas l'ignorance absolue. D'ailleurs, sinon, on ne m'aurait pas invité. Non, ce que je veux dire, c'est que la Russie a une histoire. Et c'est une histoire assez tragique, finalement, l'histoire de la Russie. Et c'est une histoire qui est remplie d'aventures, d'une certaine forme de romantisme, de défaites et de remontées. Je ne suis pas spécialiste d'histoire militaire, mais les guerres de la Russie ont souvent commencé très mal. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont en train de se ressaisir un peu. C'est extrêmement difficile. Nous avons l'habitude aussi, les pays occidentaux, nous voyons surtout des élites très occidentalisées, nous voyons il est certain que les gens de la nomenclatura, les oligarques, etc., ils ne sont pas contents qu'on leur confisque leur yacht et de ne plus pouvoir tout simplement sortir, aller visiter les pays occidentaux, se faire soigner en France ou en Allemagne, etc. Tout ça est certain. Maintenant, la profondeur du peuple russe, qui est extrêmement divers, qui n'est jamais sorti de ces territoires immenses pour lesquels nous sommes quelque part extrêmement loin, comment vont-ils continuer de réagir? Je n'en sais rien. Alors, sur le plan strictement économique, je comprends un peu mieux, parce que sur le plan strictement économique, il faut voir que les Soviétiques vivaient un peu, ils avaient un très mauvais système économique. Et donc, ils étaient habitués à se débrouiller assez bien, n'est-ce pas, à s'adapter assez vite aux situations les plus invraisemblables. C'est aussi un peuple d'ingénieurs. Il y a énormément d'ingénieurs. C'est pour ça, d'ailleurs, vous avez vu beaucoup dans les pays communistes en général, énormément de dirigeants étaient des gens qui avaient des formations d'ingénieurs, parce que les ingénieurs, au moins, ils savent bidouiller les choses pour que ça marche.
hein, simplement réunir une usine à une autre, organiser les transports, que sais-je. Bon, et effectivement, on voit bien que ils se sont débrouillés assez bien avec toutes sortes aussi de commerces illicites, enfin, qu'on nous appelle la Réunion illicite, avec les pays voisins, même parmi les pays qui les ont condamnés sur le plan juridique pour leur invasion. Donc tout ça fait un gigantesque système D. Alors, cette question de la résilience, c'est justement l'un des facteurs clés que nous allons observer tous autant que nous sommes dans les mois et peut-être les années qui viennent. Merci. Malheureusement, l'heure tourne. On va prendre une dernière question. Je crois que les jeunes filles qui sont là avaient levé le doigt en premier. Bon. Je sais, c'est injuste. Bonjour. Trois questions rapides. Bonjour, je m'appelle... Attendez, ça ira plus vite. Chut, oui. Bonjour, je m'appelle Tia. Je suis au lycée Camille Claudel. Et vous avez pu aborder au début de votre conférence la crise économique en Russie. Et je voulais savoir si à la fin de cette guerre, dans un futur proche ou lointain, il y aura une crise économique en Occident, c'est-à-dire en France, en Allemagne, aux États-Unis, ou si on s'en sortira en quelque sorte bredouille. Peut-être juste une. Mais la crise économique, on l'a déjà. Non, alors il faut. Bon, alors là aussi, je crois qu'il faut raisonner avec une certaine humilité. Hein. Nous avons montré, c'est les Occidentaux, particulièrement les Européens, nous avons montré ces dernières années, et les Européens pour être même plus précis, l'Union Européenne, nous avons montré à propos de la Covid ou du Covid, et nous avons montré aussi dans la première phase de cette guerre, une capacité d'organisation à court terme qui était assez remarquable. Et nous avons aussi eu ce mouvement d'opinion, de soutien massif et uni, qui sont aussi, du point de vue historique, quelque chose d'assez remarquable. Maintenant, vous voyez bien que la crise de l'énergie, par exemple, telle qu'elle se développe aujourd'hui, c'est une affaire de longue haleine. C'est quelque chose qui va durer plusieurs années. Bon, même dans le meilleur des cas. Vous voyez, à partir du moment où les approvisionnements venant de la Russie en gaz, en pétrole, etc., sont complètement rompus. Bon, comment est-ce que les populations européennes vont vivre avec ça pendant plusieurs années? L'inflation continue, un pays comme la France, là je reprends ma casquette de l'économiste que j'ai été, un pays comme la France est bourré de dettes, on ne s'en rend pas suffisamment compte. Bon, à un moment ou à un autre, vous pouvez avoir une grande crise économique en France, macroéconomique, j'entends. Bon, qui sera élu président de la République? Qui sera élu président de la République? On parlait des États-Unis, mais en France. Vous voyez que ça pourrait avoir, suivant les cas, aussi des effets considérables. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes sur toutes ces questions. On prend encore deux questions très rapidement. Bonjour. Allô, 1, 2, 1, 2. Ah mais non, on vole ma question. Okay. Allez, la parole ici d'abord. Bonjour, Céline Marabi du lycée Louise Michel à Champigny-sur-Marne. J'aimerais savoir comment et peut-on juger les crimes de guerre, comment les qualifier et s'agit-il de crimes contre l'humanité? Merci. Et merci pour votre conférence d'ailleurs. Non, mais c'est une... J'adore cette dissipation. Écoutez, c'est une excellente question. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est une question qu'il faut poser aux juristes. Bon, je ne suis pas spécialiste du droit international, mais il se trouve que j'ai fait, il y a quelques semaines, le discours d'accueil à l'Académie des sciences morales et politiques d'un éminent spécialiste du droit international. Et j'ai lu ses œuvres, parce que ça valait mieux pour pouvoir faire le discours, et j'ai vu ce qu'il avait écrit sur cette question.
Tout ce que je peux vous dire, c'est que du point de vue strictement juridique, c'est une question extraordinairement complexe. J'emploie le mot complexe. Donc, si vous entendez par là que Poutine, les généraux russes, etc., seront rapidement condamnés à comparaître devant un tribunal international bien délimité du point de vue juridique, si c'est ça, je pense que les chances sont extrêmement minces. Mais là, c'est une réponse sur un terrain juridique. Et la question, autrement dit, est une question qui est extrêmement technique. Oui, technique. Et je doute, par conséquent, que les réponses que beaucoup de gens attendent puissent être obtenues dans un avenir prévisible. La dernière question. Un, deux. Bonjour. Iliane Belkacem du lycée Camille Claudel. Que pensez-vous de la couverture médiatique de Zelensky et de son rôle dans cette guerre? Extraordinaire. Extraordinaire, parce que voilà un homme que peu de gens prenaient au sérieux avant la guerre. Et extraordinaire parce qu'il faut bien voir qu'au début, de cette guerre, et il a vraiment risqué sa vie. Il aurait pu être assassiné, il aurait pu être prisonnier. Et c'est tellement vrai d'ailleurs que les Américains, si je ne me trompe, lui avaient proposé de l'exfiltrer. Et il est resté en Ukraine. Donc il a eu un comportement qui mérite d'être qualifié d'héroïque. Et il a, de surcroît, il a montré des qualités. Alors, on connaissait ses qualités d'acteur, etc. Il avait fait rigoler tout le monde, tous les Ukrainiens. Mais là, il a montré, en effet, des qualités de communication tout à fait exceptionnelles. La question qu'on peut se poser, c'est quand on va rentrer dans une phase où les talents politiques prendront une importance croissante, est-ce qu'il tiendra, est-ce qu'il restera à la hauteur des enjeux jusqu'au bout? Mais oui, il a joué un rôle absolument considérable. Merci. Je vous demande maintenant d'accueillir Monsieur le recteur qui va conclure cette séance. Merci, merci beaucoup. Oui, simplement quelques mots pour conclure cette quatrième conférence de l'année du cycle des académiciens en Sorbonne. Bien sûr, pour vous remercier, monsieur l'académicien, pour cet exposé remarquable par sa clarté, sa franchise, les horizons qu'il ouvre pour une compréhension plus fine de l'histoire en marche, de l'histoire très complexe qui est la nôtre. Merci également à tous ceux qui ont œuvré à l'organisation de cette nouvelle conférence, aussi bien du comté de l'Académie que du rectorat. Je tiens aussi à remercier Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, dont je salue la nomination, et qui a accepté de reprendre le flambeau de ce cycle de conférences qui a été initié par son prédécesseur, Jean-Robert Pitt, que je salue également. C'est toujours une joie pour moi d'accueillir les élèves, les professeurs, dans ce prestigieux amphithéâtre, grand amphithéâtre, qui est aussi une part de notre histoire nationale, puisque, comme vous le savez sans doute, pour ceux qui ont suivi l'actualité, dimanche dernier, le président de la République et le chancelier allemand étaient ici pour les 60 ans du traité de l'Indé. Donc merci aux élèves pour leur participation, toujours active. J'espère, monsieur l'académicien, que vous avez su apprécier leurs questions, leur attention. C'est vrai que nous vivons avec cette guerre en Ukraine quelque chose qui nous touche très profondément, nous autres Européens. Donc il y a la part de l'émotion, mais nous sommes ici dans un lieu qui doit nous rappeler que tout doit être étudié au prisme de la science, de l'histoire, de l'économie, de la géopolitique, car seules ces approches nous permettent de prendre intelligemment du recul et de construire une réflexion à partir des images et des actualités que nous voyons chaque jour. Je terminerai en citant mon cher Romain Rolland, qui en 1915, dans un court manifeste qui fit polémique,
dans un texte qui s'appelle « Au-dessus de la mêlée », a écrit « Un grand peuple assailli par la guerre n'a pas seulement ses frontières à défendre, il a aussi sa raison. Il lui faut la sauver des hallucinations, des injustices, des sottises que le fléau déchaîne. À chacun son office, aux armées de garder le sol de la patrie, aux hommes de pensée de défendre sa pensée. » Aux hommes de penser de défendre la pensée, c'est bien là un enjeu de la recherche, en particulier en temps de guerre, défendre le temps long de l'histoire et de la réflexion pour nous apprendre à nous repérer dans l'immédiateté du conflit et de l'actualité sans cesse changeante. Mais un grand merci à vous, monsieur l'académicien.